La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère. Amen. Bienvenue à chacune et à chacun. Bienvenue pour ce temps de culte que je suis particulièrement heureuse ce matin de célébrer avec vous et avec mon collègue Espoir Adadi qui nous vient du Togo et qui va nous partager un bout de son expérience aujourd'hui. Espoir est une personne magnifique d'ouverture, de bienveillance que je suis tout particulièrement heureuse de connaître. Et s'il est là ce matin, c'est pour ça, bien sûr, et aussi parce que ce matin, nous aurions dû, si tout était bien allé, avoir des représentants d'églises d'un peu partout dans le monde qui nous viendraient de la CEVA, la communauté d'églises en mission qui fête ses 50 ans cette année et puis qui avait prévu une grande célébration ce matin à Saint-Pierre. Le Covid est passé par là et nous avons dû revoir nos ambitions pour cette célébration. Des églises un peu partout en Suisse romande et dans le monde célèbrent ce matin ses 50 ans dans un format plus réduit. Nous en faisons partie et j'en suis ravie. Et Espoir est là pour cela ce matin et aussi pour le DM Échange et Mission qui l'a envoyé en Suisse depuis 2 ans et demi, c'est juste 3 ans ? 3 ans maintenant. Voilà, ça fait 3 ans qu'il est à Genève. Sa famille l'a rejoint une année plus tard et se trouve juste là aussi. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin à Saint-Pierre et c'est un plaisir de célébrer avec vous tous, avec vous toutes, un culte qui va nous inviter à un décentrement puisque nous avons Espoir qui nous vient du Togo et puis la CEVA nous a envoyé pour ces célébrations des prières préparées par des églises un peu partout dans le monde et qui vont porter notre liturgie. Nous aurons des prières venues d'autres horizons que les nôtres, mais toutes inspirées par le Christ qui nous rassemble ici et partout dans le monde. Bienvenue à chacune et à chacun, et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant, celui qui se trouve sur votre feuillet, le 2108 qui est pris dans le recueil Alléluia.
vous avez dit, nous sommes invités ce matin à nous décentrer, à écouter des choses inhabituelles. Merci Espoir pour cet accompagnement rythmé de l'orgue. Je vous invite à la louange, une manière de nous mettre à l'écoute de la vie déjà offerte, de l'amour déjà là. Et ce sont nos frères et sœurs de l'église presbytérienne de l'île Maurice qui nous offrent les mots de la louange. Seigneur Dieu, nous te louons. Avec un cœur reconnaissant, nous t'adorons. Tu as fait des merveilles dans nos vies. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Tu as mis en place notre océan avec ses jolies couleurs. Même les montagnes et les collines clament ta grandeur. Tu as façonné notre campagne avec ses verdures. Merci, Seigneur, pour la beauté de notre nature. Quand le matin à l'horizon le soleil se lève, même les couleurs de la mer changent. Cela nous rappelle ta grandeur, Seigneur, et toute ta création se joint à nous pour t'adorer, notre Sauveur. Quand la canne à sucre fleurit, nous savons que la récolte approche. Quand le flamboyant fleurit, nous savons que l'hiver tire à sa fin. Seigneur, c'est toi qui as créé les saisons, et tu es vraiment bon. Dès les premiers rayons du soleil, les oiseaux se mettent à chanter pour t'exprimer leur reconnaissance, Seigneur. Quand le vent se lève, les filets chantent. Le récif gronde. Il raconte la gloire de notre Sauveur. Nous élevons nos voix, nous chantons ta grandeur, toi notre roi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te louons, Dieu très haut. Tu es le Dieu de toute la terre. Donne-nous ton amitié. Tu es celui qui règne hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et ce sont nos frères et sœurs de la Réunion qui nous offre les mots de la prière d'humilité dans laquelle nous nous déposons devant Dieu. Éternel, me voici devant toi tel que je suis, avec mes tempêtes et mes bourrasques, mes éclaircies et mes douceurs, avec ma vie pleine de différentes pulsions, sentiments et humeurs. Et j'ai peur parfois, Éternel, de m'y perdre. Lorsque je me sens volcanique, prête à faire jaillir le feu de la lave qui brûle, lorsque je me sens torrentielle avec mes larmes qui ne cessent de couler, lorsque je me sens tel un cyclone, prête à tout emporter sur mon passage, lorsque je me sens comme un arc-en-ciel en harmonie avec moi-même, mais inatteignable pour les autres. Lorsque mes pensées virevoltent de fleur en fleur comme la brise des alizés. Merci, Éternel, d'être simplement là, près de moi, afin que toutes ces humeurs soient passagères, qu'elles ne m'emportent pas dans le tourbillon du moment, mais que je puisse ancrer mon être sur le roc de ta parole. Sur ton amour qui nous place dans l'espérance, l'accueil de l'autre, la confiance, la tendresse et la tranquillité. Merci Éternel. Amen.
Voici les paroles qui nous redisent la grâce de Dieu pour nous, pour chacun, pour chacune. Je vous rassemblerai de tous les pays, nous dit l'Éternel. Je vous ferai habiter en sécurité. Vous serez mon peuple et je suis votre Dieu. Je conclus avec vous une alliance éternelle. Je vous suivrai toujours pour vous rendre heureux. Je vous garderai près de moi. J'aurai de la joie à vous rendre heureuse. Je vous planterai dans mon pays de tout mon cœur, de toute mon âme. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 405, les trois strophes. Avant d'entendre le texte biblique que nous propose Espoir ce matin pour réfléchir ensemble, nous prions avec des mots qui nous viennent de nos frères et sœurs du Piémont italien, de l'église vaudoise. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions tous les signes de ta grâce dans notre vie et dans le monde. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous écoutions ta parole de vie et de vérité qui produit des fruits d'amour en nous. Seigneur, ouvre nos lèvres pour que nous témoignions de notre foi en toi, Seigneur de notre vie et de notre mort. Seigneur, ouvre nos mains pour que nous partagions ce que nous avons reçu avec nos frères et sœurs dans un monde de fraternité et d'amour. Amen. Et nous lisons donc ce matin dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, un extrait de la rencontre assez célèbre entre Jésus et Nicodème, le maître de la loi, qui vient le rencontrer de nuit. Nicodème cherche quelque chose qu'il n'ose pas tout à fait s'avouer, une chose sur laquelle il n'ose pas mettre un mot. Et quand Jésus l'invite à naître de nouveau, Nicodème ne comprend pas du tout de quoi il est question. Alors Jésus essaie une autre approche, et voici ce qu'il lui dit. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme.
De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui toute personne qui croit ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et je vous invite à vous lever à nouveau pour chanter le numéro 25, les trois strophes. Bien-aimés, chers amis, nous fêtons les 50 ans de la SEVA, le cinquantenaire, un demi-siècle. Et à 50 ans, on est plus qu'adulte. La SEVA, qui partage des principes phares comme partager, agir et témoigner, dont je suis l'envoyé ici à Genève depuis le 6 décembre 2017, nous porte une sorte de fêtière pour nos églises protestantes. Et je suis aussi très heureux d'être là parce que l'Église protestante de Genève, faisant confiance toujours à l'Esprit de Dieu, a fait ce pas dans le vide de demander un pasteur pour venir du Sud et la SEVA m'a envoyé. Aujourd'hui, Covid aidant, nous fêtons de façon modeste cette fête. Mais la SEVA est représentée parce que je suis l'ambassadeur de la SEVA en Suisse romande et auprès de l'Église de Genève. Je suis encore très heureux puisque nous partageons modestement cette fête dans un lieu symbolique, la cathédrale Saint-Pierre, symbole de la réforme de Calvin à Genève, mais aussi cette réforme qui est allée bien au-delà de Genève. Je vous remercie d'être là pour partager cette table de la parole autour de l'Évangile selon Jean chapitre 3, les versets 14 à 17. J'aurai tout à l'heure à faire le témoignage parce que mes cultes sont appelés à être des cultes autrement. Et le comité qui oriente mon ministère depuis 4 ans a décidé que
je ne dois plus faire une prédication de plus, non, mais le témoignage de ce que je vis à Genève. Mais on ne peut pas lire ce beau texte et le laisser passer. Et ça a été dit aussi qu'on puisse interagir avec les paroissiens. Et à cause des conditions de la pandémie, ma collègue va vous représenter et me poser des questions tout à l'heure où je vais apporter le témoignage. Je vais directement au texte alors. En amont de ce texte, dans la fin du chapitre 2, Jean relevait que plusieurs crurent en son nom, voyant les signes et les miracles qu'il faisait. Il parlait de Jésus. Tout comme aujourd'hui, il y a les signes autour de nous, les voyants, toute forme de religiosité qui nous propose ou nous amène à croire à des signes. Mais dans notre passage, Jésus veut amener son interlocuteur Nicodème ou ses interlocuteurs dans une autre dimension de croire que je nous propose de découvrir. Dans le texte, nous notons l'usage de la comparaison. Et comme, de même. Ensuite, il y a quelque chose de la dimension inclusive, le monde, cosmos. Il y a Moïse, Jésus, et puis ce personnage qui est venu à la croisée des deux Nicodème. Évidemment, dans le contexte, Moïse évoque le passé, Jésus le présent. Le texte fait mention des lieux géographiques indépendamment du monde, comme le désert qui évoque le livre de l'Exode, la sortie de l'esclavage d'Égypte du peuple d'Israël, et qui symbolise la marche vers la promesse et qui est aussi le chemin de l'espérance. Je peins tout ce décor pour nous faire voir la richesse que présente le texte. Nous n'allons pas pouvoir tout exploiter. Mais ce qui me paraît important, c'est l'annonce de la réalisation de cet amour inclusif de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est offert en son Fils pour nous, pour que nous soyons sauvés. Déclaration de la dimension holistique de l'amour de Dieu. Il est signalé au début du chapitre que cette entrevue entre Jésus et Nicodème a plongé Nicodème dans le bleu, et contrairement à l'ancienne croyance de Nicodème, Jésus lui fait comprendre que Dieu s'universalise. Nicodème croyait que Dieu était la propriété privée de son peuple, dont lui, il est le rabbin. Et Jésus lui dit, ici, à partir d'aujourd'hui, c'est quiconque. Et quiconque signifie monsieur tout le monde. Et cela dépasse toutes nos confessions, nos cultures. Nicodème connaissait bien l'histoire de Moïse qui éleva le serpent des reins pour créer l'espace de la mort à la vie au moment de la morsure de ces serpents venimeux. Jésus lui dit, c'est de même que l'élévation du Fils de l'homme à la croix, de la croix jusqu'à la résurrection, ce que la théologie johannique appelle la glorification, crée aussi l'espace de la mort à la vie. Et la mort, la vie, celle éternelle. Nicodème a été profondément touché par ces paroles, qu'il est devenu le disciple discret. Nous pouvons le voir tout au long de ce chapitre, chapitre 3, verset 1. Chapitre 7, verset 50, et vers la fin de la vie de Jésus, dans le livre, nous le voyons encore au chapitre 19, verset 39. Et Nicodème pouvait suivre Jésus et constater qu'il est allé vraiment à la rencontre du monde. Il a vu, probablement, rencontrer un homme jugé éthiquement douteux envers l'argent, cet homme appelé Zachée. Il a vu aussi pardonner à une femme catégorisée pécheresse adultère. Une autre de vie douteuse qui aurait 5 à 7 maris qui lui a donné à boire.
Et tout ceci fait comprendre maintenant à Nicodème la déclaration de Jésus en amont. Au verset 17, « Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu ne nous juge pas. Le Christ n'est pas venu pour nous faire porter un poids de culpabilité, non. Et c'est ce que je découvre qui me passionne et qui fait bouger également mes lignes dans ce ministère interculturel entre le Togo, l'Afrique et Genève, ici la Suisse. Oui, par cette compréhension, Nicodème devient en quelque sorte une figure emblématique de l'interculturalité. Il a dû s'adapter à tout ce changement qui se jouait sous ses yeux. Il n'y avait pas que Nicodème. Les évangiles ont nommé un certain monsieur Joseph d'Arimathée, aussi qui avait pu garder sa culture d'origine juive tout en suivant Jésus. Le signe de l'interculturalité. Bien-aimés, il y a dans ce texte une dimension d'interculturalité à adapter. Il y a dans notre monde aujourd'hui celles et ceux qui veulent vivre une dimension d'amour du Christ sans être fermés. Et cette opportunité nous est donnée autour du Christ, où toutes les dimensions de différentes cultures respirent une nouveauté. Et ceci, c'est par pure grâce. Cette nouveauté dont je suis un témoignage vivant parmi vous. Un pasteur togolais qui exerce un ministère dans l'église de Genève avec tout ce que vous voyez comme caractéristiques particulières. En cette période de la pandémie, ce test apporte un signe très parlant. Le serpent d'airain hissé sur un bois ou perché sur un bois. Symbole parallèle du caducée qui indique la pharmacie. Au moment où les temples étaient fermés pour nous protéger de la pandémie, le caducée clignote sans arrêt pour nous indiquer que les pharmacies sont aussi ouvertes pour nous protéger. En dehors de toute considération capitaliste, pourrions-nous y entrevoir un signe qui nous appelle à revisiter la vocation, notre vocation d'Église, celle de sortir et d'aller effectivement à la rencontre avec cette vision que tout se joue dehors et pas seulement à l'intérieur. Apporter notre lumière. Le thème retenu pour la campagne de cet automne est « Vous êtes la lumière du monde, partagez-la ». Allons-nous partager cette lumière parmi nous, entre soi. Nous sommes appelés à aller bien au-delà et à partager cette lumière avec le monde. Le monde qui n'est plus vu en inimitié envers Dieu. Le monde qui a reçu un coup de cœur, un coup d'amour agapé qui signifie amour désintéressé. Oui, que nous soyons nicodémisques, discrets ou de tendance forte extérieure, que nous soyons du nord ou du sud, suisse, togolais, alsacien, français, sentons-nous en confiance, portés par le Christ qui a tracé le chemin de l'interculturalité, ce cheminement de la renaissance culturelle, car tout le projet de l'interculturalité est habité par l'amour de Dieu. Que le souffle de Dieu nous porte. Amen.
Voilà, je me sens bien parce que je suis plus proche de vous. J'étais hissé, je n'étais pas le serpent des reins, mais j'étais hissé là-haut. Et comme je l'ai dit, je porte un ministère de témoignage. Et la CEVA qui nous amène à échanger notre témoignage chrétien entre nos cultures. Et tout ce que je porte en moi, aujourd'hui, c'est vous qui devez normalement me poser des questions. Mais on ne peut pas partager le micro et le mandat est donné à ma collègue de le faire à votre place. Merci, Espoir. Oui. Il faut allumer le micro, merci. Merci, Espoir, pour ton partage autour de ce texte qui nous invite à ne pas juger l'autre qui croit différemment de moi, qui prie différemment de moi, qui a d'autres musiques que moi, mais à entendre que lui aussi est sauvé par Christ, qu'il est aimé par le Dieu que moi j'adore aussi. Merci pour cela. Tu nous invites à poser un regard non jugeant pour les autres, ce que nous nous efforçons à nos petites forces de faire dans nos vies quotidiennes, mais peut-être que la première chose que je vais te demander, c'est, puisque nos regards regardent d'abord l'extérieur, c'est pourquoi ta robe est différente de la mienne ? Ici à Genève, on est très attachés à nos robes noires. Et puis toi, tu en as une blanche. Alors dis-nous. Oui, je pense que je l'avais déjà une fois dit ici. Et on se tutoie. Ça prouve vraiment que tu étais occupé à d'autres tâches. Et donc, je vais volontiers aussi pour nos amis qui n'ont pas. Je porte la robe beige blanche. Résumons, et je suis noir, et elle porte la robe noire, et elle est blanche. Notre Église est aussi l'Église réformée, fondée par les missionnaires balois et les missionnaires de Brême, de la mission de Brême, depuis 1847. Et nous portions aussi la robe noire avec l'identité
V, blanc là, très réformé. Mais dans les années 92, le synode, les fidèles de l'Église en cheminement trouvent que là, c'est l'aspect extérieur. Il y a bien d'autres aspects, mais je vais faire court parce que je suis dans le pays de la montre. Il faut savoir dire les choses de façon courte. Nos fidèles nous approchent pour nous dire « Vous êtes noirs, vous portez la robe noire, l'autel n'est pas éclairé. » Ça nous déprime. Mais avec le Christ, vous ne pouvez pas trouver mieux. Et là, ça a été mis au concours. Et puis, on a pu trouver la même couture, pratiquement la même robe, avec l'identité V, mais d'une couleur plus vivante, je ne dirais pas plus gaie. Il y a bien d'autres aspects théologiques dont je vous épargne ce matin. Merci. Merci, Espoir. Oui. Et puis, j'ai encore d'autres questions, mais peut-être la première, c'est que tu es venu avec un sac. La deuxième. Tu es venu avec un sac et tu nous as parlé des missionnaires qui sont venus dans ton pays annoncer l'Évangile. Et il me semble qu'il y a un rapport entre les deux. Oui. Ce sac, mon sac missionnaire que j'utilise en tant qu'envoyé ou missionnaire ici à Genève, a une histoire. L'Église protestante fait toujours confiance en l'Esprit de Dieu qui l'a conduit. En 2005, alors que j'étais encore diacre catéchiste, admis à aller à la fac, à suivre les études théologiques pour devenir pasteur, j'avais fini un culte comme ceci, et puis le président de la compagnie de notre église que nous appelons président du corps pastoral, après ma dernière prédication à la paroisse francophone, me dit, tiens, Espoir, lorsque tu étais en train de prêcher, je me suis souvenu d'un sac que j'ai reçu à Genève du pasteur Paul-Émile Junot, qui avait été missionnaire au Togo il y a plus de 50 ans, et qui est revenu à Genève et qui a encore exercé le ministère pastoral à Genève avant d'aller à la retraite. Paix à son âme, son épouse, devenue veuve, m'a confié ce sac et a dit, mon époux, avant de mourir, a dit, tu fais retourner ce sac en Afrique qu'on va remettre à un jeune pasteur qui va devenir missionnaire dans la lignée des missionnaires. Et puis, en 2005, le pasteur Alou me dit, j'ai oublié ça dans ma cave, si jamais on a encore de cave au Togo. Et tout d'un coup, j'ai eu comme, je dois te remettre ce sac. Habitant dans l'ancêtre de la paroisse, il m'a appelé. Winnie avait encore 6 mois. Il a prié pour nous, il m'a confié le sac. Il y a une Bible à l'intérieur, datant de 1930. Et il dit, ma foi, tu vas devenir missionnaire. Et 12 ans après, je postule à une candidature comme ça. Je suis retenu par l'Église de Genève qui cherche un pasteur envoyé du Sud. On ne nous appelle plus missionnaire, c'est trop lourd à porter. Envoyé, c'est souple. Envoyé du Sud pour venir exercer ce ministère interculturel dans l'Église de Genève, l'Église de Paul Junot. Est-ce une coïncidence? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? En bon réformé, c'est avec modestie qu'il faut prendre tout ceci. Merci. Chacun y voit ce qu'il veut y voir, selon comment ses yeux et son cœur sont ouverts. Et alors, comment se passe ton ministère ici à Genève? Qu'est-ce que tu fais en tant que ministre envoyé du Sud vers nous, vers le Nord? Comment se passent tes journées? On ne se raconte pas une histoire qui se joue à ses yeux ou en sa présence. On ne va pas vous raconter ce que fait Espoir à Genève parce que c'est vous qui m'avez accueilli.
Je suis dans ce ministère depuis 2017, qui m'appelle à rencontrer les communautés dans un premier temps, les communautés qui viennent dans nos locaux et qui sont issues de la migration. Il y a beaucoup qui ça démange quand on dit communauté issue de la migration. Mais moi, je dis avec gratitude, nous sommes issus de la migration et c'est la migration, ce phénomène qui fait ce foisonnement de culture. Ces communautés issues de la migration qui viennent dans nos locaux, l'Église de Genève m'a donné un mandat de regarder leurs tendances ecclésiologiques et d'aider à créer de liens consommables, de liens agissants et de liens ecclésial-ecclésiaux, où on peut faire un cheminement, célébrer ensemble, aller plus loin dans la solidarité de passer les clés à une communauté qui vient et qui repart, mais créer de liens pour se connaître, célébrer autour du Christ. Et j'ai expérimenté, et je suis appelé aussi à faire plus de liens dans la tendance que j'appelle théologique, aller plus loin, à connaître ces communautés qui ont une tendance à lire la Bible littéralement. Et nous aussi qui avons une théologie un peu plus scientifique, raffinée, ou c'est beaucoup intellectuel, à créer de liens dans tout ça. C'est une partie de mon ministère. Et ça s'exerce. Je suis appelé à identifier plus ce qui nous unit, pas ce qui nous divise. Et je fouille. Et vous verrez tout à l'heure, le témoignage que j'ai donné sobrement, c'est détaillé dans le livre que j'ai écrit, qui est publié il y a à peine 2 semaines, à la fin du culte. Et aussi, ce que je fais et que je résume brièvement, vous pouvez trouver aussi dans le livre. Mais l'Église de Genève a osé. Et c'est ce que les autres églises de la Suisse romande trouvent un pas de géant. L'Église de Genève m'a confié un ministère de regard externe, regard extérieur. Regarde comment nous faisons l'Église et dis-nous ce que tu en penses. C'est risqué, les amis. J'ai pu aussi livrer mes regards à la compagnie, au consistoire, et j'essaye de ne pas passer comme donneur de leçons, mais de voir juste la grâce de Dieu se manifester dans tout ce que nous appelons Église. Et j'ai vu quand même, dans mes chocs et émerveillements, une Église que les églises de la migration qualifient de Église froide. Parce que j'étais arrivé ici en hiver et j'ai participé à des cultes avec l'orgue, alors que je venais du chaud. Vous voyez, tout à l'heure, on a pu rythmer, si c'était en Afrique, ces petits instruments qui résonnaient allaient devenir djembé et vraiment on allait transpirer. Et je dis à ces églises, l'église de Genève a une éducation de l'intériorité, la foi posée dans le calme. C'est notre culture, c'est notre éducation. Nous ne sommes pas morts. Et puis je vois aussi que les gens qui ont une expression très corporelle de la foi où c'est extériorisé, je dis oui, c'est notre culture aussi. Et nous célébrons le Christ. C'est ce que j'essaye de faire et d'aider à ne pas paraître vraiment donneur de leçons. Merci. Tu ne l'as jamais paru à la compagnie, pour ce que j'en ai entendu. En tout cas, c'est magnifique d'avoir ce regard. Et on est très reconnaissant à notre Église de t'avoir, je ne sais pas comment il faut dire, invité, convoqué ou accueilli. Tout ça à la fois pour s'ouvrir un peu à d'autres manières, à d'autres regards, et pas se replier sur soi. Vous savez que pour Luther, le repli sur soi, c'est le péché. Et c'est la manière de dire qu'on se regarde trop le nombril. Alors voilà, ce matin, on ne s'est pas beaucoup regardé le nombril grâce à toi. Et depuis maintenant presque 4 ans, donc, l'EPG bénéficie de ta présence, accompagnée de ta famille. Et c'est magnifique que vous ayez pu venir ce matin accompagner Espoir. On est ravis de vous avoir là. À la fin du culte, donc Espoir reste à la sortie si vous avez encore d'autres questions, d'autres partages à lui faire. Il a dit qu'il avait amené quelques exemplaires de son livre si vous voulez avoir plus de détails sur son expérience.
C'est un très beau livre qui témoigne de cette expérience inhabituelle, à la fois sur le plan personnel, sur le plan théologique, sur le plan ecclésiologique. Ça se lit vraiment très facilement. Je vous le conseille chaudement pour vos lectures d'automne. Et j'aimerais aussi saluer la présence d'Elisabeth Parmentier qui a préfacé ce livre et qui résume vraiment ce que je vis, même plus que moi. Je vous conseille, ce n'est pas de la pub pour le livre. Je veux aller au-delà aussi pour saluer ma famille, remercier ma famille qui m'a toujours porté, ce n'est pas évident. Je ne vous dis pas, je suis arrivé comme chef de famille, père de famille à Genève, ayant fait une année. Ma famille est arrivée un an plus tard. Et comme j'étais comme un peu à la maison, chef de famille en Afrique, j'ai eu le temps de l'éblouir un peu à leur montrer à Genève parce que je fais office d'une année avant vous. Et je me suis rendu compte que ce n'est plus possible. J'ai vite désenchanté parce que maintenant dans ma famille, c'est le Parlement qui s'est installé. Nous partageons tout. Je ne suis plus même chef de famille et je l'accueille vraiment avec bonheur et action de grâce, mais je vous avoue que ce regard aussi est très important où le choc de l'individualisme que j'ai eu ici, j'ai eu un revers émerveillé, émerveillant, qui est le bonheur de l'individualisme. C'est une richesse, l'individualisme. Et c'est aussi un choc pour nous. Chez nous, tu es vite rembroué, tais-toi, quand les aînés parlent, tu n'as pas droit à la parole. Je les avais éduqués depuis comme ça au Togo. Mais 2 mois après, quand ils ont fréquenté l'école genevoise, ils me disent, non, c'est pas ça, t'as pas raison. Écoute, donne-moi ton attel, c'est moi qui te montre comment on fait. Et puis, depuis quand? Et c'est très bien parce que dans l'individualisme, tout le monde a droit à la parole. Et quand on ouvre la bouche, on m'écoute pour voir qu'est-ce que j'ai à dire. Et c'est un cadeau précieux qu'il ne faut pas jeter comme ça, il faut garder. Et nous aussi, je suis appelé à faire cette lecture de nos contextes et à trouver l'équilibre de ce qu'il faut communiquer. Merci aussi à ma famille. Je vous remercie. Tu as dit que tu cherchais d'abord ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit, c'est certainement le Christ, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui nous a appelés ce matin, qui nous appelle chaque jour de nos vies, et c'est vers lui que nous allons maintenant tourner nos prières. Je vous invite à la prière d'intercession. Prions. Dieu notre Père, nous voici devant toi pour te demander ta présence et ton souffle. Aide-nous à les discerner dans tous les tourments de nos vies. Ce matin, nous voulons te présenter tout particulièrement les églises membres de la CEVA, qui cherchent ensemble comment rendre témoignage dans le monde de ton amour. Aide-les à aller toujours plus en profondeur dans l'ouverture et la rencontre, loin des idées toutes faites, des préjugés, pour que de cette communauté de vie et de foi, quelque chose de neuf se fasse jour qui parle de ton amour pour tout être. Nous te remettons aussi les responsables de DM qui gardent dans nos églises romandes une fenêtre ouverte sur le monde et sur l'Église universelle. Que ton souffle inspire et éclaire davantage les orientations et les actions pour un rayonnement intégral du Christ, ce Christ, toi, le Christ interculturel. Nous te demandons ta force pour individuellement et ensemble témoigner librement et fidèlement de ta présence dans ce monde. Viens ouvrir nos cœurs
à nos frères et sœurs en humanité venus d'ailleurs, si proches et si lointains à la fois, ne nous laisse pas nous enfermer dans nos peurs réciproques et nos tentatives de repli. Aide-nous à trouver les attitudes justes. Nous déposons devant toi les familles en deuil. Elles ont besoin de ta tendresse, de ton amour pour traverser l'épreuve sans que la douleur ne les submerge définitivement. Toi qui es le fondement de notre être, protège-les de la tempête du désespoir. Nous nous remettons enfin entre tes mains, Seigneur, tes mains aimantes et réconfortantes. Fais de nous des agents de ton œuvre de création et de vie. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus, ton Fils, nous a laissées et que nous disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous arrivons vers la fin de ce culte. C'est maintenant le temps des annonces. Je vais juste éteindre l'autre micro, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'effet bizarre. Merci à chacune, à chacun, pour votre présence priante, célébrante, autour d'Espoir et de moi-même. Merci particulièrement à toi, Espoir, pour ton message, à Vincent pour la musique et à K.O. qui met fidèlement nos cultes en ligne pour que le plus grand nombre puisse y trouver, nous l'espérons, espérance, confiance et amour du Christ. Merci aux conseillers, aux conseillères qui ont fait l'accueil. J'ai deux annonces pour la paroisse et deux annonces pour... spécifiquement aujourd'hui, la semaine prochaine, le culte aura lieu donc à 10h avec Bruno Gérard, avec une sainte scène. Vous y êtes évidemment les bienvenus. Et puis, avant cela, samedi soir à 18h30, à l'Auditoire Calvin, juste à côté, il y a le spectacle « Une tête de nuage » sur un texte d'Eri de Luca que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, un auteur italien qui lit les Écritures avec toute son humanité, qui se dit non-croyant et qui a un regard toujours frais et très nourrissant sur les Écritures. Et c'est un spectacle qui est monté par Myriam Sintado et Pierre-Philippe Devaux, qui sont deux excellents comédiens que nous connaissons bien. Donc je vous invite vraiment à profiter de ce spectacle tout à côté samedi soir. Petite précision, parce qu'il faut y penser en ce moment, c'est un spectacle qui aura lieu avec certificat Covid, donc pensez à prendre les papiers ou à ouvrir vos natels sur la page qu'il faut à l'entrée de ce spectacle. Et puis aujourd'hui, nous vous l'avons dit, c'est un culte particulier, donc l'offrande que vous ferez ira à la SEVA. Elle contribuera à soutenir des projets d'entraide et de soutien entre les églises du monde, des projets de formation et puis l'envoi de personnes à la rencontre d'autres églises, une ouverture pour entretenir l'ouverture mutuelle, nous nourrir les uns les autres de nos manières de croire, comme nous bénéficions ici de la présence d'Espoir. Et puis donc, on l'a déjà dit, mais Espoir vient de publier un livre que vous pourrez trouver à la sortie. Je crois que j'ai rien oublié, et je vous invite à vous lever pour chanter notre dernier chant pendant lequel sera recueillie votre offrande. C'est le 337, les trois strophes. Thank you.
pouvez rester debout pour recevoir la parole d'envoi et de bénédiction. Comme Jésus envoie ses disciples en mission, faisant d'elle et d'eux des apôtres, vous êtes envoyés dans le monde, ici et maintenant, pour y témoigner de ce qui vous habite, de ce qui se tient au creux de votre vie, au creux de toute vie. Et pour cela, recevez chacun, chacune, cette bénédiction que Dieu vous adresse personnellement. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel tourne vers toi son visage. Il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi. Il te donne sa paix. Va dans sa paix et dans sa force. Amen.